Les amis, moi-même au départ, je soutenais l'Omoa Minga. Mais ce que j'ai compris ces heures-ci, ça ne vaut vraiment pas la peine. Ah, les amis, c'est chaud. Paraît-il que l'un des membres de la famille de Kabel Najib s'est levé contre l'Omoa Minga. Et moi-même, après certaines analyses, je comprends que l'Omoa Minga est en train de jouer le Ndoshi dans nos tibias. Regardons la vidéo aussi et je vous prends après. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Ok. Mes chers amis, l'heure est grave. L'Omoa Minga, tu ne vas pas laisser l'âme de Gabriel Niamdi se reposer maintenant, maman. L'Omoa Minga doit déjà être en train de se mordre les doigts à cause de cette vidéo qu'elle a fait. Elle pleure, je dirais, entre guillemets, Gabriel Niamdi. Quand tu meurs, tu es mort. Tu n'entends plus, tu ne vois plus, tu n'es plus conscient. L'Omoa Minga vient enfin d'être démasqué par la famille de Gabriel Niamdi. Ah, c'est de l'hypocrisie. Toi, tu pleures un membre de notre famille plus que nous-mêmes. On a déjà tout vu. On a compris qu'il était pour toi. Tu parles de quelqu'un qui est mort l'enterré depuis. Tu dis que je ne sais pas si tu es fier de moi là-bas où tu es. Pleurer en direct, faire sa masterclass, se faire voir, etc. Jusqu'à tu allumes ta caméra, tu poses le téléphone, tu pleures bien, tu finis d'enregistrer, tu publies, tu essuies tes yeux. La prochaine vidéo, tu te maquilles bien, tu fais une autre vidéo. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Et en plus, dernièrement, il y a une chanson de moi, de Kabel Najib qui est sortie. Tu n'as même pas partagé, tu n'as même pas fait allusion à ça. Mais quand tu sens que pendant qu'il était en vie, il t'a donné la notoriété. Maintenant qu'il n'est même plus là, au lieu de laisser sa mémoire reposer en paix, tu es toujours en train de venir chercher les vues et les likes avec lui. Tu fais, on dirait, une femme qu'il avait dotée et mariée légalement et ils vivaient dans la même maison. C'est parce que vous arrivez sur les réseaux. Voilà donc, une proche de Gabriel Niamdi, quelqu'un de sa famille, a enfin pris la parole pour dire ses quatre vérités à l'Omoa Minga. Même la mère de ses mounas qu'on dit qu'il a là, ne fais pas comme toi tu fais là. Avant de vous lire en fait les amis ce que le membre de la famille de Kabel a dit à l'Omoa Minga, laissez-moi vous raconter quelle a été vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Il est fier de toi qu'il était ton Dieu maman. Elle continue toujours de pleurer. Oh Kabel, oh partout partout là. C'est ça que la famille n'a pas digéré. Elle pleurait après avoir pris le temps de mettre un filtre et sa chanson en fond. Ce n'est même pas la chanson de Kabel qu'elle a mis pour pleurer. Hein. Non, elle a mis sa propre chanson où elle lui rendait hommage et elle a commencé à pleurer. Et en fait, les amis, ce qui a encore plus énervé les gens, c'est que l'Omoa Minga, non seulement elle a pris le temps de mettre le filtre sur sa vidéo, mais aussi la légende de la vidéo en question a énervé les gens. Et hey, à chaque moment, tu mets ton son en fond, tu écoutes, tu filmes, tu mets le filtre, tu as quand même le temps de mettre le film pour faire fien, 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 fien. Donc en gros, le proche de Gabriel Niamdi dit, partager seulement sa chanson, tu ne l'as pas fait. Que dire? Tu ne t'es impliqué en rien. Tu as toujours été là au bon moment avec ton équipe technique grâce à qui tu as eu ton point d'honneur aux yeux du public durant ses obsèques. Nous respectons ta douleur, mais en même temps, nous, ses proches, ne pouvons rester aussi muets face à tant d'hypocrisie pour le paraître. Ne dit-on pas que les vraies douleurs sont silencieuses? Alors comment comprendre ta capacité à allumer ta caméra, mettre le filtre, pour proposer au public un tel scénario? Honorer sa mémoire, c'est également soutenir ses œuvres qu'il a laissées pour permettre à ses deux enfants qu'il a laissés et ses jeunes qu'il encadrait d'avoir de quoi manger au quotidien et d'être scolarisés. Faut avoir un peu de respect pour toi, pour lui et pour nous. Donc cesse avec ton petit cinéma à bec et mobilise plutôt tes collaborateurs TikTokers à faire des trends sur ses chansons. Donc voilà un peu ce que cette dame a dit, une proche de Kabel. Tel a donc été le message de l'une des proches de Kabel Niamdi vis-à-vis de l'Omoa Minga après sa vidéo où, qui était hyper scénarisée, où soi-disant elle pleurait, disant que elle a été nominée. Si Kabel était là, il aurait été fier d'elle. Comment savoir s'il est fier d'elle ou pas? Que des conneries en fait, que du bullshit vraiment que je ne comprends pas. Même Kamel Sama, que Arafat avait doté, n'a pas trop fier sur Arafat comme ça. Tu parles de quelqu'un qui est mort l'enterré depuis, tu dis que je ne sais pas si tu es fier de moi là-bas où tu es. Le livou, la sorcellerie n'a pas la honte. Juste un instant pub et on se prend après. Ok. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a de cela quelques jours, je vous parlais d'un grand docteur naturopathe. Voilà, au nom de docteur Gadema, qui vient d'ouvrir ses portes dans la ville de Yaoundé. Rappelons, à Douala, il exerce depuis plus de 10 ans. Et je vais vous présenter ce produit, aspirateur magique. C'est beaucoup plus pour les femmes qui ont les difficultés de conception.
des femmes qui cherchent les enfants depuis. Voilà, ce produit est très efficace. Je vais vous présenter également ce produit Manpower. Oui, les 16 hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Ce produit est également très efficace. Enfin, ce produit Natural Prostate pour ses parents qui ont les problèmes de prostate. Contactez le numéro du docteur Gadema qui s'affiche au bas de cet écran. Il est situé ici à Yaoundé, au niveau du quartier Ngousso, juste à 100 mètres du fin cimetière Ngousso. À Douala, il est situé au niveau de Bépanda, entrée lycée, immeuble en carreau blanc avant la gendarmerie. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations concernant ces produits. Très efficace, je vous le dis. Les larmes que tu nous montres matin, midi, soir sont des larmes vraiment de peine ou des larmes de crocodile. Je m'interroge. Pendant les obsèques de Kamel Nandip, on a compris que tu avais trop pleuré, que tu avais trop mal, maman. On a compris que ça te faisait trop mal, tu ne pouvais pas supporter. Mais l'autre, si là, après plusieurs mois, tu es toujours là, tu fais comme ça, la pleure chez toi tranquillement, non, mon frère. Ou bien tu veux seulement prouver que tu as trop mal, ou bien tu veux seulement prouver que tu n'es pas passé à autre chose. En fait, on te voit déjà faire les photos brum, 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 avec un vaniste là-bas de l'autre côté. Oh, wow. Hein? En 3 mois, elle a tourné la page, elle est passée à autre chose. Pourtant, c'était même la mère de Samouna. Quoi, quoi? Quoi? T'as dit quoi? Pourtant, c'était même la mère de Samouna. Tu n'as qu'à pleurer, on s'en pisse, on s'en tape. Mais toi, bientôt un an, tu es toujours fier, fier, fier. Tu veux nous montrer quoi là? On gagne à Jutaïa. Tu fais même encore plus que sa famille, maman. La vie que vous voyez ici, hein, sachez que vous n'avez aucun ami. Il n'y a que votre famille de sang. Et même la famille de sang, là, de fois, même il y a aussi les rescapés là-bas. Hein. Il n'y a que la famille de sang, en fait, qui va vraiment ressentir votre départ. Ça, c'est clair. Tu fais, on dirait que oui, lui-même, il était le seul dossier que tu gérais. Et moi, Mingato aussi. Parce que tu vivais au pôle nord, lui vivait au pôle sud. Tu vas pas dire que Kabanyam était le seul dossier que tu gérais. C'est le folklore. J'ai l'impression qu'elle se souvient de Cabrel lorsqu'il y a son intérêt, notamment avec le canal d'or. Là, elle sait très bien qu'en invoquant le sujet Cabrel, les gens vont massivement voter pour elle, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Depuis qu'il aussi il n'est plus là, tu vas pas dire que depuis là, tu n'as pas fait quand même Nyam Nyam à côté. Comment expliquer ça, en fait? Comment expliquer? Moi, Minga, moi-même, au départ, j'étais supporté, mais là, c'est un peu de trop, là. Là, moi, Minga, sincèrement, arrête ta comédie. Arrête ta comédie. Tu penses vraiment que tu peux avoir mal? Ah, j'imagine un peu la scène. Je suis comme ça, je pense à quelqu'un, un de mes proches qui est parti, ça me fait mal. Je cours, je prends la caméra, je prends le temps de mettre le fil, je stoppe d'abord les larmes, je pleure, je mets la chanson, après je poste. Mais qui de normal fait ça? Non, mais sincèrement, dites-nous dans la vraie vie, qui peut faire ça? Non, faut te calmer, petite. Faut te calmer. Le nom que Kabanyam dit t'a donné de son vivant, ça te suffit pour que tu continues avec. Faut laisser son âme se reposer en paix. Laisse sa famille lui pleurer dans la paix du Seigneur. Pardon seulement. Et tu continues ta vie dans la paix du Seigneur. Je suis parfaitement d'accord. Au départ, comme je vous ai dit, les amis, je me suis dit, bon, c'était la jalousie. Les gens avaient... Vraiment, après ces analyses et ces personnes qui expliquent vraiment la situation, que nous, on voit la vérité en face, franchement, je suis déçu. Si c'est vrai, l'homme Minga, que depuis que le nouveau clip, le nouveau son de Gabriel Nandip est dehors, tu n'as même pas fait un post dessus. Tu n'as pas communiqué dessus. Vraiment, excuse-nous. Excuse-moi particulièrement, je suis désolé. C'est que tout ce que tu fais, c'est du cinéma. C'est le film que tu tournes. Et ne nous berne pas. Si c'est vraiment vrai que tu n'as pas parlé du clip, du nouveau son de Gabriel Nandip depuis là, c'est décevant. Hey! Non, quand même. Quand même. Hey! Pardon, hein. Passez une bonne journée, les amis. Vraiment. Les réseaux sociaux, hein. C'est la magie. Ne ratez surtout pas ce grand direct sur la page de Patrick Kenye Kamga. L'invité spécial Franco Le Mignon le 29 septembre, ce vendredi, dès 19h. Ne ratez pas. Partez de zéro pour devenir point d'interrogation. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.